Alors maintenant au programme, rencontre du troisième type en 1977. John Williams retrouve Steven Spielberg pour la troisième fois après Sugarland Express et Jaws, Les Dents de la Mer. Il commence à écrire sa partition 2 ans avant que le film soit terminé, à partir de la lecture du script et des indications de Spielberg, lequel décida ensuite de monter son film en fonction de la musique. Il y a une vraie osmose entre la musique et les images, nourrie par une réflexion commune. La musique joue effectivement un rôle de premier plan qui nécessitait cette anticipation. Cette musique devait évoquer la communication entre les humains et les extraterrestres à partir d'un motif court, entêtant, comme un code à déchiffrer. Pour cela, l'unique impératif du cinéaste était qu'il soit uniquement constitué de 5 notes. Pour l'anecdote, Spielberg fit appel à un ami mathématicien à qui il demanda de calculer la combinaison de 5 notes possibles à partir de 12 notes de la gamme. Le mathématicien répondit par le nombre de 134 000 combinaisons possibles. Le compositeur, bien sûr, en proposa une centaine uniquement pour en arriver à celle retenue. Cette réduction des notes rappelle Les Dents de la Mer, leur précédente collaboration, où 2 notes illustraient la mâchoire du requin. D'autant qu'ici, il s'agit aussi d'épouser le point de vue d'une menace potentielle. D'abord sereine, les notes se font plus rapides, plus graves, comme pour signifier un danger. Cette musique a une vraie existence dans la dramaturgie puisqu'elle illustre un dialogue qui se joue à l'image. Le dialogue qui s'instaure est aussi instrumental. Le clavier électrique des humains répond au mélange tuba-basson des envahisseurs. Et une progression émotionnelle et dramatique amène à l'orchestre symphonique. Une ambiance de suspense laisse place à une dimension épique. Le Williams des années 70 a une part expérimentale, mais se fait aussi progressivement de plus en plus émouvant, l'année même d'un certain Star Wars.